Et bonjour à tous. Welcome to Farming Simulator 2017. Bonjour, comment allez-vous tranquillement? On se retrouve sur Farming Simulator en campagne solo. Oh, 1.2. Ouais, il faudra que je mette le côté serveur à jour, tiens. J'espère que vous allez bien tranquillement. On va sur une petite carrière en solo. Eh oui, solo. Merde, c'est... Ah! Retour. Choisissez sur l'élevage, utilisation. Les prix culture sont plus avantageux, les commandes sont simplifiées, culture ne s'abîme pas. Oh non, je vais rester comme ça. Sélectionnez une carte. On va prendre celle-là, tranquillement. Donc je suis un mec. Je vais rester en... Tiens, je vais le mettre en blanc comme ça. Hop. Et du coup, on est parti pour une série tranquillement. Donc j'espère que vous allez bien les gens. Moi, je suis un peu malade actuellement. C'est un petit peu chelou, hein, mais ça va. Donc, on se retrouve sur Farming. Donc Farming, pour ceux qui ont connu le 2015, c'est ultra facile. Ceux qui ne connaissent pas, je pourrais vous faire tranquillement. Donc vous êtes dans la vie du... tout simplement d'un cultivateur basique. Tac tac tac, échelle du temps en réel, tiens. Tac tac tac, voilà. Donc, tout simplement pour vous mettre dans le bain, en fait, vous êtes un agriculteur avec des camions, des tracteurs et autres, et vous devez vous cultiver pour avoir un rendement très avantageux par rapport à d'autres cultiveurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez des récoltes, vous avez des prix, vous pouvez vendre à diverses sociétés en fonction de forcément de votre légume. Et notamment pour commencer, vous commencez tout le temps avec du blé, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va se mettre dans le petit camtar. On va enlever la petite bâche. Tout tranquillement, faudrait que déjà que je trouve un petit peu mes... Comment ? Mon champ. Il est où mon champ ? Je voudrais bien avoir mon champ. Alors, mon champ actuellement... ça doit être le numéro 14. Je ne suis pas sûr de mon coup, mais je crois que c'est le numéro 14. 14 ou 19 ? Je vais faire un petit tour. Qu'est-ce que ça me dit ici? Normalement, c'est des petits points pour me dire les semences. Vous avez de l'argent dépensé. Ravitailler vos machines, etc. Ok. Lui permet au niveau de l'engrais. Ok, très bien. Donc ça sert à labourer. Ce que j'ai vu, ça sert à semer. À semer bah, forcément vos engrais, en fait, tout simplement, vos semences. Et du coup, on va pouvoir... Ah non, vous voulez y aller sans petit truc comme ça. Donc, nous avons un champ de blé en face de nous, donc c'est pas le nôtre. Ah si c'est le nôtre, puisque nous avons un petit truc à labourer. Donc ça c'est plutôt bien, donc du coup, ce que je vais faire, je vais tout simplement... Donc on a bien le 19 pour nous. Je vais aller chercher ceci. Hop, on prend le truc, on prend le tout, hein, ça roule, c'est super magnifique. Hop, donc je connais pas encore toutes les commandes par cœur. Oups. Donc je vais aller me mettre là. Alors vous avez le système aussi de table qui permet de vous téléporter en fait. C'est pratique quand vous avez des baraques à Tata. Tata Win, ça veut dire très loin. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est... On va se garer en mode YOLO. Voilà. Hop. Moi, je vais prendre la moissonneuse batteuse. Oui, forcément. Hop. Ah, bah oui, forcément. Je l'avais pas pris. Donc, hop. Baisser la barre de coupe.
et engager le bousin. Allumer la lumière, modifier l'outil. Ouais, bah j'ai déjà sélectionné, qu'est-ce qu'il me fout lui? Lever la barre de coupe, engager, détacher. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils veulent. Ah oui. Bon, là j'ai employé un ouvrier en fait. Donc, je peux le faire moi-même comme je le peux le faire. Comme je peux pas le faire moi-même. What? Ah, voilà. Pourquoi tu veux pas? Alors, ça c'est pour la vue interne, ça c'est pour relever, pour descendre. Ah, mon avis, il peut pas. Il faut que j'emploie un ouvrier au début. Donc, il y a diverses choses. Quand vous faites ceci, vous moissonnez en fait tout simplement. Vous récoltez vos graines, donc vos grains. Donc là, c'est du blé. On le récupère. Ça se voit, hein. Hop, tranquillement. Donc c'est très. Comment cubique, on peut dire ça comme ça. Et du coup, une fois que vous avez ramassé ce qu'il faut, ça fait un petit tas, une petite comment on appelle ça, un dépôt en fait, on va dire ça vraiment comme ça, c'est un gros dépôt. Et du coup, ce dépôt là, on peut le ramasser. On peut le ramasser seulement avec un tracteur et une pelle. Sinon, il y a la méthode aussi que vous semez en fait. Ça fait pas de tas. Donc, c'est plutôt pratique. Nous, ce qu'on va faire, le temps que lui fasse tout son tour, moi je vais aller prendre le petit camtar. Voilà. Et je vais aller faire ce que lui en fait il a fait. Parce que un champ, en fait, si vous voulez un rendement de meilleure qualité, il faut faire en sorte que vous le labouriez, que vous le labourez tout simplement, tout le temps. Un champ se culture 5 fois de suite dans le comment, dans le maximum des cas, mais il faut labourer après. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Oui, quand vous gênez quelqu'un, il va pas vous klaxonner par contre. Hein. Ça, c'est clair, il va pas vous klaxonner. Donc moi... Pourquoi tu veux pas... Ah, il est baissé. Ah oui, il n'y a pas besoin de l'activer ici. Hop, et du coup, vous suivez votre chemin. Et ça le fait tout seul. Vous pouvez voir que derrière, ça laboure. Donc là, je vais tailler un petit peu plus près puisque c'est un tout petit truc que j'ai là. Hop. Vous pouvez le laisser enclencher. Il n'y a aucun problème. Tant que vous n'avez pas de terre, ça le fait pas. Et là, on recommence parce que j'ai une petite lignée en fait sur une partie multi que j'ai avec Ethan. Mais... Et Dum, on a fait une très grande culture. Et on est toujours à 3 champs au bout de 2 jours de farm. Ça, on achète et on crédit. Donc du coup, derrière, un petit peu du mal à suivre au niveau de la banque. Mais ça va, on commence à avoir ce qu'il faut pour avoir un troisième, quatrième champ. Alors, ça me rappelle beaucoup mon enfance farming, puisque étant petit, je conduisais déjà des tracteurs. Oui, je suis un petit peu le gars de la campagne quand même. J'ai pu conduire en fait un tracteur avec une remorque derrière. J'étais plutôt content étant petit. Ce tracteur-là m'a permis un petit peu de grandir à travers la campagne, sachant qu'on avait une ferme hein, et pas moi spécialement, plutôt dans la famille. Une ferme avec toujours des moutons, des coqs, des lapins. On avait des vaches laitières au début. Mais c'est trop chiant maintenant à s'occuper de ça. Il y avait quoi d'autre par les moutons, lapins, coqs.
Je crois des brebis, mais je ne suis plus vraiment sûr. Mais voilà, on avait quand même pas mal de choses, donc on était plutôt content. Désolé, je te renverse. Donc ça, c'est bien pratique pour la bourrée. Naturellement, il y a la partie multijoueur, comme d'hab, vous pouvez vous connecter à des serveurs, etc. Il y a encore des améliorations à faire sur ce jeu, personnellement. Je repasse un petit coup sur le coin que j'ai oublié là-bas. Donc voilà, en tout cas, ça travaille plutôt bien, tranquillement. Lui, il est en train de faire sa petite route. Moi je bêche derrière, c'est magnifique de bêcher. Hop là. Pouf pouf pouf. Hop. Donc c'est assez long des fois au début. Donc c'est un jeu vraiment qui prend son temps. Et je trouve ça magnifiquement bien. Que ça prenne son temps. Bien sûr, on peut acheter des choses, hein. Bien sûr, on peut améliorer, on peut acheter des plus grandes barres de coupe pour lui. Lui qui permet de bêcher et en même temps de semer. Bon, ça coûte un petit peu un bras au début, donc c'est pour ça qu'on va rien faire au démarrage. Donc, on a bêché ça. Moi, je vais aller voir pour le champ à côté, parce que j'ai l'impression qu'en fait, le champ, il est à nous. J'ai l'impression qu'il est vraiment à nous, le champ à côté. Tac tac tac. Ah, il me faudrait un. Bon, ça va, il y a une tonne 8. Hop. Je vais aller chercher la semence. On a-t-elle? Alors. Ici, au niveau. Ah, la machine à semencer. Tac tac tac, j'ai besoin de ça. Voilà. On permet de remplir ici directement les machines à ensemencer. On en a 750 actuellement. Hop. Donc à quoi ça sert tout simplement? Ça sert à faire en sorte que. Machine à ensemencer. Ok, vu que c'est notre terrain, on a eu ça. Hein, parce que je vois pas d'autres trucs à côté. On va pouvoir ensemencer le tout. Alors, normalement, on le baisse. Et on active. Voilà. Et vous pouvez voir qu'actuellement, il y a un changement au niveau de la terre de base. Et la terre. On va dire grinder, semencer plutôt. Il y a des petits traits, donc ça veut dire que je plante actuellement des graines, tranquillou. Et au fur et à mesure du temps, bah, ça va pousser. Bien sûr, on peut rajouter de l'engrais pour avoir une efficacité meilleure. En fonction du jeu, je sais que au niveau du comment de tout ça, une fois que vous avez engrainer le sol, bon, fertiliser à vitesse grand V. En fait, vous avez un meilleur rendement de votre culture. Cependant, vous pouvez le faire entre 2 et 3 fois en fonction de la floraison de la graine. Mais voilà. Bon, après, s'il y a des termes que j'utilise mal, hein, vous pouvez le dire dans les coms, je verrai tranquillement. Donc, je suis en train de faire ça tranquillou. Hop. Voilà. Pouf. Vous pouvez voir actuellement le champ est quand même plutôt pas mal, hein, pour un début. Hop. Et je continue. Même si vous pouvez voir actuellement que on est plutôt tranquille. Je vais mettre les petits gyrophares parce que je trouve ça cool. Hop. On a aussi les pleins phares aussi. Mais voilà, en tout cas, votre temps, vous pouvez l'accélérer de 1, du temps réel
à du temps réel dans le jeu, hein, pas réel IRL, je veux dire. À du temps x 120, donc ça veut dire que vous passez toutes les secondes rapidement. En fait, toutes les secondes, toutes les minutes dans le jeu, c'est des secondes pas dans le jeu en fait. Là, tu vois, il est passé de 55 à 56 au bout d'une minute. Mais dans le jeu, quand tu fais fois 120, une minute dans le jeu, c'est une seconde dans la vie, quoi. Voilà, ça va extrêmement vite. Bien sûr, le temps du coup passe très vite et du coup, les cultures peuvent pousser. Donc, heureusement qu'il y a un système de. Comment? D'accès, on va dire ça. D'accélération du temps. Parce que des cultures qui ont besoin de 8 heures de pousse comparé à d'autres qui en ont besoin de très peu, c'est pas le top. Il y a également le système que s'il pleut, bah, vous pouvez pas récolter la moisson, ce qui est tout à fait normal, hein, parce qu'il faut que ça soit sec. Vous avez des temps de grêle, des temps de neige. Vous avez les quatre saisons, hein, donc printemps, automne, printemps, été, automne, hiver, voilà. Donc il faut bien gérer ses cultures. Et ça, vous le voyez en fait en fonction de votre soleil du côté de la. Comment? À côté de l'heure en fait. Là actuellement, il nous dit qu'il y aura du grand soleil constamment dans la journée. Donc c'est plutôt pratique. Oui! On sème, on sème, on sème. Je crois que j'ai fait des petites rayures en vrai. Après, ça c'est pas trop grave, au pire on pourrait repasser dessus. Voilà. Bon, bah c'est plutôt cool. Quoi dire d'autre également? Oui, une fois que c'est semé, récolté, on peut faire des bottes de paille, on peut vraiment tout faire, on peut acheter des animaux, on peut les nourrir pour produire en fait. Par exemple, pour le mouton, bah, ça fait de la laine tu la vends. Les poules, bah, tu vends les œufs. Le foin et la paille, tu peux les vendre. En fait, tu peux tout vendre ce que tu produis. Et ça, c'est plutôt cool. Après, il y a différents produits qui se vendent plus que d'autres, mais en fonction des machines qu'il y a derrière, faut avoir un accès un petit peu à la banque pour faire tout ça. Bien sûr, les ouvriers ici vous coûtent du blé, hein. Bah, pas du blé, mais du blé en argent. Donc, du coup, bah, vous devez les payer, ce qui est tout à fait normal. Et puis voilà. Et puis également, votre ouvrier, une fois que la benne est pleine, il vous le prévient pas. Donc, c'est à vous de gérer votre situation. Sinon, il vous bouffe l'intégralité de votre monnaie. Alors, vous pouvez le faire également en ligne droite comme vous pouvez le faire sur le côté, hein. Moi, je préfère la ligne droite, au moins t'es sûr de pas trop en oublier. Tant que t'as un petit semoir, en fait, vaut mieux faire des lignes droites. Ça permet éventuellement d'éviter les petits traits qu'il y a là. Mais quand vous avez une plus grande barre, là, par contre, vous pouvez faire ce qu'il faut, hein. Faire des zigzags et autres, vous remplirez constamment votre champ. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Hein. Et tiens les gens, concernant FTP, vu que c'est toujours dans la merde, nous on va relancer un pack sur le côté, hein. Évidemment un 7, hein, parce que c'est la meilleure des choses. Moi je continue mon petit LP tranquillement. Donc voilà. J'attendais qu'on me passe la map de FTP, mais j'attends toujours. Ah, et puis toutes les heures, vous avez un paiement de salaire. Hein, donc ça veut dire qu'il a travaillé actuellement 331. Bah il a gagné 331 le salaire de l'ouvrier. Bon, lui par contre, tu vois. Je sais pas pourquoi il a relevé le truc.
comprendre. J'espère juste que tu sèmes, parce que si tu sèmes pas, ça sert à rien. Après, c'est peut-être moi en fait qui sème pas. Ça, c'est bien possible. X déploie la machine à ensemencer. Alors, ça voudrait dire que depuis tout à l'heure, je n'ai pas. Oh. Bah, si. Pourtant, c'est. Non, ça serait con quand même. Ah, il a 7 descents, donc ça veut dire que j'ai ce qu'il faut. Je trouve ça bizarre, personnellement. Bon, bah tant pis, hein. Camtar là-bas, à mon avis, il est pas plein. Sinon, il se serait arrêté depuis un petit moment. Et hop, on continue. Donc, c'est un jeu plutôt long, hein. Je vais pas faire d'ellipse au début. Parce que je n'ai pas la touche pour faire des ellipses sur le jeu, en fait, c'est pour ça. Ah, d'ellipse au niveau du record, je veux dire. Donc c'est plutôt cool. Hop. Voilà. Ouais, ça va, on a quand même un beau petit champ. Alors naturellement en solo vous avez des quêtes de droite et gauche. Donc vous pouvez devenir un ouvrier pour quelqu'un d'autre. Et du coup gagner de l'argent. Vous pouvez faire des missions, hein, évidemment. Et vous pouvez acheter vos les champs. Vous pouvez le louer aussi, vous pouvez louer un petit peu tout. Alors, si vous en avez pour pas grand chose, bah vous le louez pas. Bah vous le louez, je veux dire. Mais si vous en avez pour une plus grande utilité, ok, c'est un. Comment? C'est un investissement, mais quand même, ça peut être bien pour vous. C'est-à-dire que derrière, il peut y avoir des belles cultures. Voilà, bon bah ça va être tranquille ça. Lui, faudrait que j'aille vérifier. Alors j'habite toujours sur W, mais en fait W j'ai pas Optifine. Du coup je ne l'aurai pas tout de suite. Faudrait que j'aille le vider un petit peu, tiens. Voilà. Lui, ah, il va être plein, donc du coup. Alors lui il sert à machin. Où j'aille chercher celui-ci. Voilà. J'attendais le message, mais en fait j'ai enlevé le message. Donc, comment vous faites pour vider la moissonneuse-batteuse? C'est tout simple. Vous allez juste à côté de lui. Voilà. Il essaie de bloquer. Ah, c'est bien, il le dit quand c'est. Quand il est bloqué le papier. Et puis vous attendez qu'il se vide. Tout simplement. Vous attendez qu'il se vide pour qu'il puisse continuer à faire son champ. C'est assez bruyant ce truc. Voilà, là c'est moins bruyant. Donc c'est bien, on peut voir, on peut vraiment voir. Donc vous avez un système de volant aussi qui est possible, hein, audio que la souris. Vous avez aussi le volant pour tourner les roues. Bon, je l'ai pas perso parce que ça coûte une blinde. Mais ça peut être cool. Au moins, c'est plus précis que les souris. Que le clavier surtout. Parce que vous pouvez, on peut pas rester appuyé. Que tout simplement le volant, vous pouvez rester enclenché sur le côté. Sans donner des coups, en fait, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vendre un petit coup. On va les rechercher. Tout simplement dans le petit prix qui est le meilleur rendement. Donc vous pouvez attendre également, mais vous pouvez également
comment? Tout simplement le stocker. Donc stocker votre récolte et attendre un moment propice pour pouvoir le vendre. Putain, j'ai l'impression que c'est Tchernobyl le machin. Avec le truc là, ça faisait très Tchernobyl. Alors, pouvez tomber dans l'eau et si vous tombez dans l'eau, vous perdez votre culture, hein, votre récolte. Donc, faut faire très attention à ça. Donc là, vous pouvez voir que en fait, je suis parti en direction du champ. Là, j'ai mis le régulateur de vitesse, donc ça veut dire qu'il restera à 43 maximum. Et je peux le descendre pour qu'il reste par exemple à 39-40. Donc ça, c'est plutôt bien pratique. Donc là, ben, vous voyez le petit point vert, ça veut dire que c'est notre destination. Donc j'y vais tranquillou. Et bien sûr, comme on est livré à la tonne, ben on va vraiment livrer à la tonne. Et forcément, si vous en avez 621 de plus, ben ils sont payés naturellement, mais moins qu'une tonne. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Hop, on tourne. On est sur la route. Et du coup, on va les vendre tout ça. Putain, ça fait quand même très village russe. Ah bah oui, c'est du russe. Je me disais bien aussi, c'est une ville très russe, hein. Et du coup, on va aller ici. Donc on rentre sur la petite plaque là. On fait en sorte que la cocotte soit là où qu'il faut. Et du coup, F1. Remettre la bâche côté arrière. U. I. Voilà. Et là, on est en train de vider et vous voyez que notre argent est en train de monter. Et ça monte, monte, monte. Et voilà, hop, c'est bon. J'ai 3130 euros de récolte. C'est bien qu'il le fournit. Qu'en multijoueur, il te le fournit pas, ça. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Nous, on va pouvoir du coup rentrer à la maison. Ceci est cool. Hop. Donc, on va pouvoir aller à gauche. Ça se voit pas du tout que je suis passé par là, par contre. J'essaie de refaire les mêmes traces. Ah, ça marche plutôt pas mal de refaire les mêmes traces. Peut-être pas. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas que le jeu va vous plaire, que la série va vous plaire également. On fera une autre série multi de live et autres, ça peut être sympa. Mais pendant ce temps, on va se faire un petit truc solo. Voilà. Du coup, bah, je vous ai montré un petit peu le début du farming. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, bisous tout le monde. C'était Épée. À la prochaine. Moi, je vais me soigner parce que je suis malade. Voilà. Donc, bah, à plus, hein. Tout, tout. Ah oui, vous pouvez conduire aussi les trains.